Salut à tous et à toutes, c'est Raven2800 et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Moonlight Build sur Dark Souls Remaster. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait fait plusieurs vidéos sur la meilleure Moonlight dans Bloodborne, avec les meilleures gemmes sanglantes possibles pour avoir une Moonlight absolument mais divine. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, franchement, ce sont des vidéos très qualitatives, très sympathiques. Foncez si vous voulez voir quelles sont les meilleures gemmes pour la Moonlight dans Bloodborne, et quels peuvent être les dégâts max que l'on peut attendre avec cette arme, c'est juste abusé, hein. Spoiler alert, c'est abusé. Mais qu'en est-il des autres jeux Souls? Eh bien aujourd'hui, on va parler de Dark Souls Remastered. Voilà, Dark Souls Remastered, pourquoi? Parce que... Bah, la Moonlight est quand même bien présente dans ce jeu, elle est assez difficile à trouver. Si vous ne le saviez pas, cette Moonlight se trouve dans la queue du dragon Zeus l'écorché. Je sais pas comment ça se prononce, donc j'ai écorché son nom, voilà, ça c'est fait. Et elle est dans sa queue, il faut la couper, et ensuite on débloque la Moonlight une fois qu'on l'aura ramassée sur le sol, bien sûr. À moins qu'on la drop directement, je crois qu'on la drop, mais je suis pas sûr. Donc voilà, dans tous les cas, on est là pour parler de ce build Moonlight qui est vraiment très sympathique. Et après, vous avez expliqué le build, je vous parlerai de la Moonlight plus en détail et de savoir comment augmenter ses dégâts. Parce que oui, il y a beaucoup moins de façons d'augmenter les dégâts par rapport aux gemmes de Bloodborne. Hein, il y a beaucoup moins de façons. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que tu peux augmenter les dégâts de ton arme quand même. Donc on va aller faire un petit tour là-dessus. Donc c'est parti, lançons-nous un petit peu dans ce build. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais du coup dans ce build, il y a bien évidemment la Moonlight, mais pas que. En fait, j'avais envie de faire un build complet, surtout PvE. Après, vous pouvez l'utiliser en PvP, hein, il y a de la magie avec, hein, vous voyez aux 12 perles noires que j'ai. Mais bon, ce n'est pas... le but n'est pas de parler de magie, tout ça, c'est vraiment de parler surtout de la Moonlight. Alors c'est parti. Regardons un petit peu tout ce qu'on a. Regardons déjà nos stats. On va déjà parler de ça. De nos stats. Nous sommes niveau 125. Pourquoi 125? À la base j'étais niveau 120. C'est un niveau assez standard pour du PVP. Vous pouvez aller au-delà, hein. Vous en foutez si vous voulez pas faire de PVP. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc moi j'ai monté niveau 125. Ça me permettait d'avoir... 2 points de vitalité en plus, pas négligeable, et surtout 3 points de volonté qui me permettaient d'avoir un emplacement de sort supplémentaire. Donc pareil, je me suis dit, bah écoute, parfait, hein, comme ça on comble bien le truc, donc c'est nickel. Donc on a 42 de vitalité, 28 de volonté, qui est la mémoire dans par exemple Dark Souls 3, ce qui fait les emplacements de sort, tout ça. Donc 28 de volonté, ça fait 7 cases de sort, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Avec ça, généralement, vous êtes plutôt tranquille. 40 d'endurance, au-delà, ça ne sert à rien. 16 de force, 12 en dextérité. Évidemment, c'est pour pouvoir porter cette fameuse Moonlight. 8 de résistance, parce que ça ne sert à rien, c'est vraiment la statuseless. Franchement, allez-y, hein, sortez vos meilleurs arguments, mais ça ne sert à rien. 8 de foi. Et 50 d'intelligence. Pourquoi 50? Pourquoi pas 99? Pourquoi pas 60? Qui est un bon cap également. Tout simplement parce qu'au-delà de 50, les dégâts de la Moonlight sont à peine meilleurs. Je crois même pas qu'on atteint les 500 à 60 d'intelligence, quoi. Donc c'est pas hyper rentable. Mieux vaut mettre ces 10 points ailleurs. Après, encore une fois, c'est ma présentation de mon build. Je le trouve très optimisé. C'est à vous de voir si cela vous convient ou non. Libre à vous de changer certains paramètres si vous le souhaitez. Dans tous les cas, voilà. Et on remarque surtout quelque chose. 480. On est à 480 comme ça de base. 480 d'AR, donc l'attaque rating en anglais. La valeur d'attaque si vous préférez en français. Sur la Moonlight 480, qui est plutôt correct, hein, ma foi, quand on cherche pas à aller plus loin, c'est-à-dire on a un build magie, on veut de l'intelligence, tout ça, on veut faire des dégâts magiques, et ben on a la Moonlight en support, c'est très sympathique. Donc la Moonlight, on ne la présente pas, hein, évidemment, Espadon du Clair de Lune plus 5, bien sûr,
Pourquoi la laisser en zéro? Aucun intérêt. Le catalyseur de Logan. Alors, disclaimer, catalyseur de Logan, c'est le bâton qui, pour moi, est le plus sympathique à jouer quand on veut pas s'embêter. Pourquoi? Parce qu'il fait de bons dégâts et il laisse le même nombre d'emplacements de sorts. Enfin, il laisse le même nombre de sorts plutôt par case. En gros, par exemple, le catalyseur de Manus ou d'étain cristalline, le truc, c'est que ils vont diviser par 2 le nombre d'utilisations de sorts que vous avez. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 12 perles noires, bah, j'en aurais que 6. Et si je n'avais qu'une case de sorts dédiée à perles noires, au lieu de 2, puisque j'ai mis 2 fois perles noires dans mes cases, et bah, du coup, j'en aurais que 3. C'est pour ça que c'est compliqué. Ensuite, donc là, si vous cherchez la perfection absolue. Si vous utilisez de la magie, c'est-à-dire la magie de cristal, utilisez celui-là, c'est le meilleur, catalyseur d'étain. Si vous cherchez à faire juste perle noire à fond, comme un gros bourrin, catalyseur de Manus, il est meilleur. Voilà, tout simplement. Donc, catalyseur de Manus pour les perles noires, pour le reste, catalyseur d'étain. En gros, catalyseur de Manus, il est meilleur pour toutes ces magies un peu des ténèbres, et catalyseur d'étain, il est meilleur pour toutes les magies cristal classiques. Voilà, mais dans les deux cas, tu te fais saucer de la moitié de tes emplacements de sorts. Voilà un petit peu pour le tuto. L'écusson végétal, hein, voilà. En fait, je voulais mettre le bouclier anneau de cristal à la base, qui était très sympathique. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs. Voilà, il est sympa, hein, il est ce qu'il est. Il a aucune stabilité, parce que c'est pas un bouclier fait pour te défendre. C'est un bouclier qui est fait. Voilà, pour attaquer. Le problème, c'est que dans les versions 1.0 du jeu, tout ça, ce bouclier a été énormément nerfé, ce qui fait que maintenant il est complètement useless. Donc voilà, je préfère revenir sur un petit écusson végétal qui, bon, vous le savez aujourd'hui, a un petit bonus, voilà, qui permet de régénérer ton endurance un peu plus vite. Voilà. Et la flamme de pyromancie qu'on ne va pas améliorer. On ne va pas l'améliorer, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Le casque de chevalier d'élite, l'armure de chevalier d'argent, le gantelet en acier, j'ai plus de tablette de titanite, mais regardez pas avec des yeux chelous, et les jambières de chevalier d'élite. Voilà pour moi ce petit set, voilà, ce petit build de Moonlight. Je trouve franchement que niveau Fashion Souls, on est pas mal comme ça. J'aime beaucoup surtout la cohérence de tout le truc. On est un chevalier avec l'espadon du clair de lune. Franchement, c'est juste parfait. Je trouve ça parfait. Et pour aller avec ceci, l'anneau de grâce protectrice, en fait, je voulais pas forcément le mettre, mais c'était soit je mettais cet anneau, soit l'anneau d'Avel. Tant qu'à faire, autant mettre cet anneau. Il permet d'avoir non seulement plus de vie, plus de charge d'équipement, mais voilà, plus d'endurance. Enfin, il t'augmente un peu tout et c'est très bien. Par contre, évidemment, si tu le retires, il sera détruit et il sera perdu. Donc voilà. L'anneau de Chlorantie. Anneau de Chlorantie qui régénère, enfin qui accélère la récupération d'endurance, qui se stack, anneau de Chlorantie, qui se stack avec l'écusson végétal. Et ce deuxième emplacement d'anneau, si vous ne voulez pas mettre l'anneau de Chlorantie parce que vous avez déjà les effets de l'écusson végétal, je peux vous proposer un petit remplacement. Par exemple, l'anneau de protection d'acier qui va augmenter votre défense jusqu'à plus de 400, ce qui est pas trop mal pour tout ce qui est physique. Ou l'anneau de pierre larme rouge que l'on verra un peu plus tard. Ou encore l'anneau draconique hurlant qui va améliorer votre sorcellerie telle qu'elle soit, ce qui est un plus. Vous pouvez mettre, si vous êtes plus sorcellerie plutôt que Moonlight, là c'est pour ceux qui veulent faire la variante, c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire la différence. Vous pouvez mettre l'anneau draconique hurlant et du coup la couronne de brunante, tout cela va évidemment buffer tous vos sorts. Mais, c'est pour ça que j'en parle, la couronne de brunante, l'anneau draconique hurlant, ce sont des anneaux qui augmentent les dégâts basés de la magie. En fait, c'est vraiment de la magie. Ça ne va pas affecter tout ce qui est dégâts magiques via des armes. Voilà la petite nuance à bien comprendre. Donc ce sont des choses que vous pourrez les équiper, mais ça ne va pas augmenter vos dégâts de Moonlight pour autant.
Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va voir de toute façon là dans quelques minutes, même quelques secondes, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez améliorer les dégâts de l'espadon du clair de lune, car pour l'instant, comme vous voyez, on est assez bloqué. On n'a pas les gemmes sanglantes de Bloodborne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les dégâts de cette arme? Vous allez voir, il y a des petites choses sympathiques. Alors, comme on l'a dit, comment améliorer les dégâts de la Moonlight? Vous n'avez pas un milliard de possibilités. On est sur Dark Souls Remastered, ou Dark Souls 1 si vous préférez qu'on l'appelle comme ça, mais de toute façon c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que on est sur une des premières versions du jeu, tout ça. Forcément, il n'y a pas un milliard de manières d'augmenter ses dégâts significativement. Contrairement à Dark Souls 3, où là on peut abuser d'énormément de choses. Hein. Je veux dire, concrètement, je crois que j'ai 3 à 4 fois plus de trucs pour améliorer des dégâts sur Dark Souls 3 que sur Dark Souls 1, pour vous donner une idée. Sur Dark Souls 1, une des premières choses que l'on peut faire pour améliorer ses dégâts, on en a parlé juste avant, je l'ai un peu spoilé, l'anneau de Pierre l'Arme Rouge. Ça va augmenter votre attaque quand vos PV sont bas. Donc ça va augmenter vos dégâts significativement, mais il faut avoir un peu de points de vie pour l'activer, c'est-à-dire 20% de vie. Moins de 20% de votre barre de vie, vous allez augmenter vos dégâts d'environ 40%, il me semble, sur Dark Souls Remaster. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On voulait équiper, voilà, on sera bien. Un autre pierre l'arme rouge pour augmenter les dégâts. Donc pour l'instant, évidemment, on ne voit pas les effets. Il va falloir aller ailleurs pour regarder ça. Mais c'est déjà un premier point. Le deuxième point qu'on peut du coup qu'on peut savoir, c'est la transformation draconique. Alors, la transformation draconique, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça fait? À part te transformer en dragon, cela booste tes dégâts grâce à la pierre de torse de dragon. En fait, quand tu vas l'utiliser sous forme draconique, donc il faut déjà s'être transformé en dragon au préalable. Une fois que tu t'es transformé en dragon, tu peux activer la pierre de torse de dragon. Et une fois que tu l'as activée, tu vas pouvoir augmenter encore tes dégâts. Ça ne dure que quelques secondes, hein. Attention, ça ne dure vraiment que quelques secondes. Donc c'est genre, avant de mettre un grand coup, tu fais carré sur play pour activer la pierre de torse de dragon. Et ensuite, tu mets ton coup. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Je pense que tu as le temps de mettre un ou... Enfin, tu as le temps de mettre deux coups. Peut-être un full combo éventuellement, mais il faut vraiment l'enchaîner direct après l'avoir activé. Voilà. C'est très très rapide encore une fois. Hein. C'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc il faut se transformer en dragon. Et pour ça, du coup, ben... Pas beaucoup de solutions que de se mettre tout nu. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour madame. Au revoir madame. Et voilà. Nous sommes en transformation draconique. Elle est un peu chelou, mais bon, je la trouve quand même beaucoup plus jolie que dans Dark Souls 3. Hein. Après, chacun son point de vue. Donc là, nous sommes en transformation draconique. Il n'y a pas de buff activé. Nous sommes à 480. On voit la petite icône qui est apparue. On est à 625. Voilà. Vous voyez un petit peu combien de temps ça a duré? Mais en tout cas, voilà de quoi booster un petit peu nos dégâts. Hein. Donc on a déjà l'anneau de Pierre l'Arme Rouge, plus cette transformation draconique qui va du coup tout changer. Donc ce qui est bien, c'est que comme ça, vous pouvez arpenter le PvE du jeu quand il y a plein de mobs avec l'armure que je vous ai proposée, qui est pour moi une très bonne armure, un très bon set. Et une fois que vous allez faire les boss, eh ben vous lâchez votre armure. Vous sortez votre, vous sortez l'épée du, de là où je pense, et vous allez donc vous transformer en dragon, utiliser ce buff, avoir les 30, enfin les 20% de vie pour utiliser l'effet de l'anneau de pierre l'arme rouge, et vous allez activer, et oui, votre petit sort puissance intérieure qui va évidemment augmenter tout type de dégâts que vous allez faire. Peu importe ce que ça va être. Ça peut être de la magie, des attaques physiques, des attaques magiques, quoi. Ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, vous devez combiner ces trois trucs-là, ces trois buffs-là, pour avoir des dégâts supplémentaires. Voilà un petit peu le truc. Donc, puissance intérieure, activée. Et malheureusement, comme vous le voyez, la puissance intérieure, ben, on la voit pas en fait dans les stats. Pourtant, ça augmente bien les dégâts, ça je peux vous le garantir. Là, je fais beaucoup plus de dégâts. Ça se voit. Le Kaioken est activé. Et ensuite, petite précision. Petite précision, là, avant que vous fonciez aller farmer des écailles de dragon pour avoir
les fameuses pierres de torse de dragon, puisqu'il faut les farmer. Vous allez au lac Cendré, il y a là où il y a la deuxième hydre. Tout au bout, il y a le serment draconique, le grand dragon, et vous allez lui échanger des écailles de dragon. Mais, sachez-le, comme vous l'avez vu, le serment, la voix du dragon, est en plus 3 ici. Pourquoi en plus 3? C'est bizarre, ce plus 3. En fait, d'habitude, les serments, ils vont jusqu'à plus 2 en général. C'est-à-dire que, très souvent, pour donner un exemple, tu donnes 30 humanité dans un serment et tu obtiens le rang maximal pour ce serment. Et ben là, c'est pas vraiment le cas, en fait. Tu peux aller au-delà. Tu as un stade au-dessus, en fait, qui va te permettre d'avoir... Alors attention, là, on va bientôt normalement voir les effets. L'anneau de pierre, l'arme rouge, voilà. 721. 937. Vous voyez un petit peu? C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Là, je vais juste mourir par contre. Mais voilà, on peut arriver à 937, sachant qu'on ne voit pas les dégâts supplémentaires que nous procure la puissance intérieure. Ça, c'est le petit problème. Et donc, du coup, en fait, vous devez donner. Alors, je veux pas dire de bêtises. Admettons, tu dois donner 10 écailles de dragon, puis tu dois en donner 30 pour arriver à la voix du dragon plus 2. Et ensuite, tu dois, en tout, je crois que tu dois en donner 75. Non, je crois que tu dois en donner 75 pour arriver. Je crois que c'est ça, c'est 10, 30 et 75. Corrigez-moi dans les commentaires. Mais je crois que c'est ça. Donc tu dois en donner 75 encore en plus. Et ensuite, tu peux débloquer la voix du dragon plus 3. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait, cette voix du dragon plus 3? Cela augmente la puissance de votre buff. Oh, je crois que c'est de l'ordre de 10%, puis... Ça doit être 10 ou 15%, puis 20%, 25%. Et là, on est à 30% de dégâts supplémentaires. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Ça, c'est au cas où, pour la précision, pour ceux qui peut-être vont dire, mais attends, je fais pas les mêmes dégâts que toi, c'est bizarre. Voilà. Donc, vous combinez tout ça, et vous allez avoir des dégâts merveilleux. Et c'est parti, du coup, on va aller tester tout ça. Let's go! Et nous sommes de retour, du coup, évidemment, au meilleur endroit du monde, le sanctuaire de Lichefeu, pour aller tester sur les premiers mobs qu'on va croiser là-bas. Donc on va déjà tester la Moonlight. Vous savez, juste un petit coup, simple, pour voir les dégâts. Parce que je sais que certains d'entre vous n'attendent que ça, de voir un peu la différence de dégâts. 395 sur ce mob. On va attendre, voilà, qu'un autre mob arrive pour être sûr, s'assurer qu'on n'ait pas fait des dégâts critiques ou des conneries comme ça. 395. Voilà pour les dégâts classiques, 395. Ok. Jusque-là, on se dit, bon, c'est pas trop mal. Sachant que la Moonlight fait des dégâts purement magiques. Forcément, si certains ennemis peuvent résister à la magie, ça peut être plus compliqué. Donc on se met la puissance intérieure. Voilà. On était à 395, je le rappelle. Alors voyons voir. D'accord, qu'est-ce que j'ai fait? 553. Alors, revérifions cela. 553. Pourtant, on est toujours à la pareille, 480. C'est ça qui, encore une fois, c'est vraiment, on le voit pas et c'est dommage. C'est dommage qu'on le voit pas, vraiment, pour le coup. Assez déçu. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser la pierre de torse de dragon. En plus de la puissance intérieure. 763. Donc là, vous voyez, mon buff est parti. Ah, je n'ai plus non plus la puissance intérieure. Oh, bah. 1068, why not? Why not, hein, moi je prends. Hein. En tout cas, on a vraiment des dégâts qui s'augmentent. Ah. Des dégâts vraiment qui se stack. Et maintenant,
on va tester. À tester. Alors, on va essayer d'attirer un mob. Alors, on va essayer de l'attirer dans notre ville traquenard. On va se mettre la puissance intérieure, encore une fois. Voilà. Allez. On va le laisser en sorte qu'il m'attaque un peu pour aller. Voilà, beaucoup plus vite. ...1181 de dégâts. Ah oui, pour boire, les dragons, ils s'aspergent d'estus leur long cou. Hein. Pas si vous le saviez, maintenant au moins vous êtes au courant. C'est bien, ça va vous apprendre plein de choses. Alors, on va voir si... Allez, viens par là. Pas de temps à perdre. Voilà. Ouais, 1181. Et je rappelle qu'à la base, on était à moins de 400 d'attaque. Et là, on arrive à 1181. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà un petit peu pour les tests de dégâts. C'était assez rapide, mais bon, au moins vous avez compris le truc. Il me reste une dernière petite chose à vous enseigner. On se retrouve dans quelques secondes, attention. Parce que là, ça va être du lourd, car on peut faire encore mieux. On peut toujours faire mieux. Voilà. Donc c'est parti, on va voir ça. Et on se retrouve ici, au meilleur endroit, pour faire ce dont je vous ai parlé. On va augmenter encore un peu plus nos dégâts. En fait, il existe un petit glitch. Voilà, donc là, c'est pour ceux qui voudraient aller encore plus loin que tout ce qu'on peut faire dans le jeu de base. Il y a un petit glitch qu'on appelle le Tumble Buff Glitch. En général, quand on parle de Tumble Buff, ça veut dire qu'on peut buffer des armes qui ne sont pas buffables normalement. C'est-à-dire que là, si je veux buffer, vous voyez, tout simplement ma Moonlight, je ne peux pas. Eh bien, je vais vous prouver qu'en fait, on peut grâce à un petit glitch qui est assez difficile à faire. Je vais essayer de vous le présenter. Et après, on va essayer d'y arriver. C'est pas dit que j'y arrive. Mais dans tous les cas, j'ai capturé une vidéo en amont où j'ai réussi à le faire en très bonne qualité. Donc c'est ça qui est pratique. Et du coup, comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'étendue de la puissance maximale que peut avoir la Moonlight. Dans tous les cas, en quoi consiste ce Tumble Buff Glitch? Donc en fait, déjà, ça mérite un minimum de setup. En fait, ce qu'il vous faut déjà, c'est vous caler ici. Voilà. En fait, il faut se laisser tomber d'une petite hauteur pour l'activer. C'est pour ça que, bon, ça sert juste à se la péter, quoi. Vous vous équipez de la Moonlight, ainsi que d'une autre arme, qui servira de leurre, entre guillemets, sachant que, de toute façon, il faudrait que ce soit une arme où grande arme magique cristal ne fonctionne pas. Et vous mettez votre catalyseur en autre main. Voilà un petit peu pour le setup. Flèche d'âme. Parce que c'est un sort rapide, tout ça, pourquoi pas. Et l'arme magique en cristal. Donc en fait, ce qu'il faut faire. Votre setup. Vous vous mettez au bord de cet escalier. À peu près là où je suis. Ce qu'il faut en fait, c'est, vous voyez, tomber de cette hauteur. Voilà, tout simplement. Tomber de cette hauteur. Ce qu'il faut, une fois que vous avez votre bâton d'une main, de l'autre main, l'arme... que vous voulez vous servir de leurre. Ce n'est pas elle qui sera buffée à la finalité. Je le rappelle. C'est vraiment... Ce n'est pas elle qui sera buffée à la toute fin. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est buffer notre arme. Vous ne pouvez pas. Je vais le faire lentement pour décomposer le mouvement. Donc, vous ne pouvez pas buffer votre arme. Ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez vous laisser tomber. Et pendant... que vous allez tomber, donc vraiment pendant cet instant de chute là, c'est cette seconde, cette pauvre petite seconde, ce qu'il faudra faire, c'est switcher votre arme et switcher de sort. Voilà, il faudra faire ça en l'espace de ça, de temps. Je vous laisse imaginer à quel point il faut de l'entraînement, je vous assure ça fonctionne. Et une fois que vous avez switché, donc pendant la chute, à l'instant, mais vraiment pas avant, pas après, à l'instant précis
où vos pieds touchent le sol. Donc vous serez comme ça. Vous allez activer votre sort. En fait, le jeu doit garder en mémoire le fait que vous vouliez faire arme magique en cristal. Et en faisant un petit swap, le jeu va croire que ce n'est pas flèche d'âme que vous voulez lancer, mais arme magique en cristal. L'explication en gros, hein. Explication approximative. Mais voilà en gros le truc. Voilà tout ce qu'il faut faire. Et si jamais vous essayez et vous voyez qu'il y a flèche... De toute façon, on va essayer, vous allez voir, je vais me foirer. Ça prend beaucoup d'entraînement. Hein. Et si vous lancez par exemple flèche d'âme, c'est que vous l'avez fait soit trop tôt, soit trop tard. Donc voilà un petit peu pour les tips. Donc on va essayer quelques fois. Après, si j'arrive pas, je vais réessayer comme ça vite fait. Et sinon, comme je vous l'ai dit, je vais vous inclure un clip où je vais y arriver. Et puis voilà. Alors, on va tenter. Mais comme ça, vous voyez un peu les fails et tout. Et c'est pas mal. Mais c'est compliqué. Hein. Vraiment, c'est pas évident à comprendre. Enfin, il faut vraiment essayer. Mais c'est faisable. Le Tumble Buff sur Dark Souls 2 à côté, c'est infaisable. Je n'ai jamais réussi. Donc, on fait ça. On avance. Vous voyez, là, j'ai pas pu swapper de sort. Là, j'ai beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard, on l'a vu. Bon, je réessaye quelques fois, mais vraiment très rapide. Hein. Le but n'est pas de prendre 15 minutes de vidéo pour vous montrer ça. Là, j'ai swappé beaucoup trop tôt. Ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Allez, on fait encore deux fois. Je tente. Très bien. Et... dernière fois, allez, est-ce qu'on y croit? Non. Eh bien, c'est un fail. C'est un fail. On va tenter de le refaire encore un tout petit peu. Et ensuite, je vous glisserai un petit clip victorieux. Et dans ce clip, ne vous inquiétez pas, il y a tout de prévu. C'est-à-dire que non seulement vous verrez donc ce glitch réussi, mais en plus derrière... je vais évidemment combiner cette grande arme magique en cristal de Moonlight, hein, buffée avec la Moonlight, pour mettre la pierre de torse de dragon, la puissance intérieure, et évidemment l'anneau de pierre, l'arme rouge. Avec tout ça, ça donne des dégâts que vous n'imagineriez même pas. Donc voilà, voilà un petit peu le truc. Donc moi, je vais réessayer deux petites secondes dans mon coin. Oh, la puissance qui nous envahit. Je vais réessayer deux petites secondes dans mon coin. Et je vous retrouve juste après pour la petite conclusion de vidéo, du coup. Et nous avons réussi. Putain, c'est incroyable, je suis très content. On a réussi. Du coup, nous sommes à 811 avec, la Moonlight buffée. Ensuite, avec ça, on se met la puissance intérieure, bien sûr. Voilà. On va aller voir notre pote, ici. En espérant qu'il ne nous tue pas sur cette attaque. Ok. Juste un tout petit coup, s'il te plaît. Un tout petit coup. Un petit coup, j'ai dit. 1577. On est à 1577. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, 1577. Ah, c'est pas mal. Après, le mieux, ce serait de tester à deux mains, en fait. Ah bah dommage. Le buff s'est arrêté. On est à 1900 à deux mains, alors imaginez. Imaginez à deux mains avec tous ces buffs. Voilà, bon, en tout cas, je suis très content d'avoir pu réussir. Et ça ne m'a pris que 3-4 essais en plus. Hein, donc vraiment très très content. Allez, c'est parti pour la conclusion du coup de fin de vidéo. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à mettre un commentaire. C'est vraiment le build Moonlight ultime. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à le dire encore une fois dans la section des commentaires.
puisque moi j'ai essayé de chercher pendant un moment qu'est-ce qui peut faire en sorte que la Moonlight soit encore plus puissante, et je n'ai rien trouvé de mieux que tout ça, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, puisque si on arrive à accumuler tout ça, on est vraiment bien. Après, certains vont peut-être me dire, ouais, mais du coup, ce Tumble Buff Glitch, on ne peut le faire que via cette petite marche. En fait, on peut le faire à n'importe quelle marche d'escalier, tout ça, une certaine... En fait, il faut juste avoir cette petite hauteur. Pas une trop grande hauteur, pas une trop petite non plus. Donc, essayez de visualiser un peu la hauteur qu'il vous faut. Voilà. C'est un coup de main à prendre, faut s'entraîner, tout ça, voilà. En tout cas, on arrive à des dégâts complètement insane. Ça fait juste rêver, quoi. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures sur Dark Souls Remastered, avec ce build, évidemment, bien sûr. Et encore une fois, n'hésitez pas à checker la vidéo de la Moonlight Ultime sur Bloodborne. Ce qui est cool, c'est que sur deux jeux, donc Bloodborne et Dark Souls Remastered, on a vu la Moonlight Ultime. Bah maintenant, c'est à moi de jouer pour tester la Moonlight Ultime sur les autres jeux Souls, hein, écoutez. Oh là là. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao. And don't forget to taste the booyah!